Éric Poujade, dont nous le savons maintenant, son meilleur élément constitue sa minute 10 de bonheur au Cheval d'Arçon, mais lui veut aussi être de la fête du titre de champion de France et il s'attaque à son premier exercice, les anneaux. On ne peut pas dire qu'il soit taillé pour cet exercice, mais attendons, on va voir ce qu'il nous propose. Voilà, notons surtout que c'est sa première apparition aux anneaux depuis très longtemps. Il a été opéré de l'épaule au mois d'avril, donc il a eu une légère fragilité à ce niveau. Lors des championnats à Sabah, il n'a pas présenté les anneaux pour cette raison. Voyons voir, ici il me semble avoir très bien récupéré. Bien. Remonté en souplesse, en élégance et avec une légèreté. Et là, l'équilibre est mieux que celui de Casimir. Voilà, soleil. Soleil passé et c'est la sortie très difficile en full-in, full-out, c'est-à-dire un double arrière groupé avec une vrille dans chaque salto. Ah. Eh bien, très belle reprise aux anneaux pour Éric Poujade. Voilà, alors je ne sais pas si tout cela sera confirmé par le jugement car je n'ai pas pu réellement apprécier le total des difficultés et ça manquait peut-être un petit peu de force dans cet exercice, mais en tout cas c'est une très jolie reprise pour Éric qui nous revient donc au plus haut niveau aussi à cet agrès et c'est tant mieux. Voici cette sortie superbe, double arrière groupé avec une vrille dans chaque salto et un tout petit sursaut à la réception, mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce que Nelson Manfort est près de Patrice Casimir qui est considéré comme le leader actuel de la gymnastique française? Oui, Pierre. Ah, effectivement, non. Patrice est à côté de nous et il suivait...